Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va nous changer un peu de tout ce que je fais d'habitude. Donc là, c'est une vidéo sur notre cher Ranch Simulator. Donc un petit jeu assez sympathique. Petite sauvegarde. Donc, à savoir que moi, je l'ai déjà essayé ce jeu. Donc, un jeu assez... assez cool. On va passer sur on va faire un petit let's play, on va dire, sur ce jeu, parce que bon, il n'est pas non plus très très long, ce qui est dommage, mais en tout cas on va faire un petit let's play, un début de let's play. Donc là il nous demande de suivre l'icône, donc il va falloir lire la lettre. D'accord. Ouais, on va quand même la lire. Mon petit 6, si tu lis cette lettre, c'est que tu as accepté d'exécuter ma dernière volonté et que tu te trouves au ranch familial. Il est dans un état de désolation parce que je n'ai pas eu le temps ni l'opportunité de m'en occuper. Va à l'intérieur de la maison, j'ai laissé deux ou trois choses dans la mansarde. Enfin, je crois que c'est un coffre. Qui pourront être utiles. Je crois en toi. Tac. Donc. Donc là, trouver la tente. Alors, on l'a trouvé. Merde. Je me suis couché alors qu'il ne valait pas. Donc là, pour l'instant, on commence cette série en solo, les amis. Mais on va peut-être dans le futur accueillir quelqu'un avec nous sur cette série. Donc là, retirer le... Trouver le... Ok. Donc ça, tac, je connais un peu, donc c'est... Oh merde, non, mais je peux encore... Non, je peux pas encore retirer la baraque. Dommage. Hop là. Donc, là, pistolet, argent, et la lettre. Prends ce revolver dans la forêt, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui peuvent te causer des ennuis. J'ai laissé un peu d'argent et des munitions. Encore une chose, tu vas avoir besoin d'une voiture dans le garage. À l'entrée du ranch, il y a un vieux véhicule utilitaire. Tu devrais utiliser les pièces de rechange que tu trouveras ici et là pour réparer. Bonne chance. Dommage. Ah. Hop là. Donc là, on va. Donc l'épisode, on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un peu tout dans l'épisode là. Ouais, il va durer une petite, un petit peu plus près une heure. Un petit épisode chill, on va dire. Tac. Je sais que c'est dispersé un peu partout. J'aurais pu carrément prendre ça là-bas avant de venir ici. Pas très... très intelligent de ma part. Mais on n'est pas sur l'optimisation pour le moment, on est sur le kiff du jeu. Donc là, premier objectif de l'épisode, comme je disais, c'est de... On va chasser un peu parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on a que 500 dollars. Donc avec 500 dollars, on va pas chier très très loin. Merde. Et moi, un ça me suffit, hein. En vrai. Hein. Ouais, mais je crois qu'il manque une roue, attends, parce que je crois que... Non, c'est le pare-choc. Donc, tac, on va aller tranquillement le mettre. Donc, il y aura beaucoup d'ellipses, hein. Par exemple, quand je vais chasser, vous montrer H24, la chasse sera pas intéressant, hein, qu'on soit honnête. Donc, autant que je le fasse en ellipse. Hop. Jerrycan, merde, j'allais me barrer en... Donc là... Ok. Donc là, tac, clic, on va souris. Allez, ouais, ça c'est un service. Hop là, nous... Aussi. À la station service. Ah, est-ce qu'il y avait que dalle dans la voiture? Putain, ça veut dire on va avoir
moins de thunes que prévu. On avait 500 balles, on va se retrouver avec 400, quoi. Ah, d'accord. Super l'ambiance. Donc là, parler à l'agent IMO. Ouais, c'est au truc là-bas. Non, vous inquiétez pas, tout est prévu. Allez, hop. Juste devant, donc là. Pas besoin de se faire chier. Allez, ouvre-toi. Merde. Ah, bonjour, mais ce serait pas la personne qui vient d'acheter le nouveau ranch du coin. Oui, c'est moi. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a donné. Parce que là, je vous donne le manuel de construction. Il t'aidera à construire ton ranch. N'oublie pas, tu as le droit de construire que sur le territoire de ce dernier. Merci. Et continuez. Bonne chance. Ranch, ouais. C'est un truc. Parler au concessionnaire juste à côté. Je sais même pas pourquoi je suis monté dans mon. Hop. Bonjour, t'aurais pas une voiture gratos, s'il te plaît? Même pour acheter des voitures personnalisées. Ah ouais, d'accord. Au revoir. Là, en gros, il va falloir que je ramène lui. Donc moi, j'ai toujours une petite habitude dans ce jeu. Là, c'est d'apprendre à bien conduire. Là, du coup, il demande l'autoradio. Et moi, je mets toutes mes voitures. Ah non, en bleu. Voilà. Ah mais ça va, on gagne de la thune en faisant les quêtes du... Les quêtes comme ça, donc tac, la cacaillerie c'est en ville. Allez, c'est parti. Donc ce jeu il a pas mal évolué et il va en venir à évoluer encore plus. Mais il me semblait qu'à l'ancienne, on avait des chevaux. Et en fait, maintenant qu'on y est, qu'on est là, parce que moi j'ai fait des tests avant, hein, bien entendu, hein, comme sur tous les jeux que je veux filmer, je fais des tests avant. Et je n'ai rien vu de tel. Tac, je sais pas pourquoi ce qu'il faut acheter, donc ça va. Et je n'ai point vu de chevaux, donc ça me. Sur Lupine. Parler à la vendeuse. Pas au magasin général. Ah d'accord. Ok. Allez hop. Direction magasin général. Tac. Ils vont nous dire d'acheter quoi ici parce que j'ai peur. Ok. Donc panier d'œufs et deux poules. Une, deux et un panier d'œufs. Ça fait combien? 110. J'ai pas envie d'acheter un coq. Parce que je vois le cutru arriver. Là, du coup, il va falloir construire un. Je suppose. Un poulailler. Et du coup, on défonce. Oh, calme. Oh. On défonce quand tout ça là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là-dedans le temps que. Tac. Grano. Oh non! Je suis obligé de les laisser là. Je voulais pas les mettre dehors parce que j'ai peur qu'à ce.
On s'en aille. Donc là, il va falloir trouver. Hop. Les grains. Ah, il y a le seau là, je crois. Trouver tac 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 le sol est là et ça ok je place la citerne allez plan donc là on commence déjà à avoir nos premiers poules même si je voulais pas les avoir maintenant mais en gros ça veut dire qu'on va devoir faire un petit enclos à poules pour cet épisode en tout cas et tout détruire. Ouais, toutes ces merdes là. Ah putain, ils veulent qu'on construise direct le. Et là, je me dis 15. 8 poules. Ouais, c'est un petit truc assez sympatoche. Hop, on va commencer par ça. Donc là, le panier d'œufs ici, et on va prendre la machine, et du coup, oui, il y a le jerrycan aussi. Eh mais ouais, c'est pour ça qu'il nous avait dit le remplir, j'avais complètement oublié qu'on commence par quelque chose. Tac. Et puis bah là, on va charbonner. Hein. Attends, tac. Et tu t'éteins, s'il te plaît. Donc moi, j'ai une petite strat. Vous allez voir que c'est assez assez barbare. Je le reconnais, c'est assez barbare, mais là par exemple, tac, pendant que ça se coupe, moi je ramène du bois. Et là par exemple, hop, je sens que ça va, hop, ça se termine, j'en remets une et je ramène du bois. Et là, et je fais ça assez rapidement parce que c'est la meilleure strat. Pour moi en tout cas, il y a toujours le petit côté, vous savez, le petit côté farmer chinois en moi qui veut tout optimiser. Donc, hop. Ah mais j'ai oublié qu'il fallait du métal! C'est pas beau ça. Ça c'est moche ce qui vient de se passer. Ah c'est... Ah c'est pas beau! Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille vite à la quincaillerie. Et que j'aille simplement acheter... Ah mais en plus le plomb... Bah ouais, eux ils demandent ça. Demande même pas le l'autre en fait. Voilà. Ça nous évitera. Un tac. Construire petit poulailler, bah on n'a pas le choix. C'est un peu dommage, ça, par contre, que dès le départ, on puisse pas construire un autre poulailler. Bon, après, je comprends que pas non plus. Ils veulent d'abord faire connaître le jeu, mais bon. Tac. Hop. Et voilà, premier poulailler fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça. Hop. La maison, les filles, c'est ici. Allez. Et du coup, on va démolir la baraque. On va bien prendre 5 minutes pour tout démolir.
J'adore démolir. Tout en jeu. Donc ce qu'on va faire là, c'est directement monter en haut. On peut pas défoncer le bas sans avoir défoncé le haut, donc. Plus tard, ça va bloquer, donc autant. Pas rien n'est perdu dans ce que je suis en train de faire. Alors, on va commencer. Hop. Et tac, dernier petit coup de pied de biche pour la maison. Pour la même occasion, on va démolir ça. Et là, du coup, on est libre de nos actions. Donc, là, c'était là où il y avait la maison. Ce qu'on va faire, c'est quasiment, je dis quasiment dans l'instant T, on. Moi, je pense qu'on va aller. On va commencer par les chasser. Alors, vous dites, ouais, tu commences par chasser et tu coupes du bois. Non, là, en fait, c'est qu'il y aura le premier enclos. Ici, justement. Ouais, j'ai déjà fait un petit plan dans ma tête. Et le premier enclos, il sera ici. Donc, c'est pour ça que je vais. Rassembler toutes les bûches à peu près ici. Après, on va aller chasser pour se faire un peu de pognon. Et quand on aura du pognon, on va aller s'acheter deux animaux, un mâle et une femelle, en cochon, dès qu'on aura fait l'enclos, bien entendu. Comme ça, on sera bien. Donc, l'attaque, ça c'est fait. Ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter une glacière. Avant toute chose. Pourquoi? Parce que quand on va chasser, j'aimerais en fait garder mettre la bouffe, déjà pouvoir en stocker plus qu'un petit peu. Savoir que là, en termes de bouffe, enfin en termes de stockage, il n'y a que l'arrière là du véhicule qui est. On peut mettre dedans et pour stocker en fait c'est une galère parce que pour mettre l'un au-dessus de l'autre les empiler c'est ça me bute, ça me détruit. Donc tac. Là je pense qu'on va prendre une glacière. Ça va être vite remboursé avec la chasse, il n'y a pas de mal à se faire, faut qu'on surveille bien notre une. Voilà. On a 1000 balles, un peu moins de 1000 balles maintenant, 927. Donc, c'est pas grave. Hop. Hop. Ce qu'on va faire aussi, c'est très rapidement, dès que tout qui est lancé,
On va économiser pour commencer à faire le pétrole. Tac. Donc là, on va essayer de se trouver des animaux qui traînent un peu partout. C'est pas friendly nature, tout ça, ou je sais pas quoi, mais. Là, les pixels, faut qu'on les abatte. Donc, on va essayer de tourner un peu. Tourner un peu, parce que oui, pour. Là, vous voyez là-bas, par exemple, je viens de voir un truc qui m'intéresse. Allez, hop, on va recharger ça. Ça part de là. Aïe! Aïe! Je vais devoir charger le jeu parce que on est. C'est quand même la première fois que je meurs sur ce jeu. J'ai voulu trop y aller rapidement et en fait. Oh non, je dois tout refaire. Que je vais faire? C'est que je reviens à vous dès que j'ai fini tout ça. Donc re les amis. Hop. Et hop. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire de vous dire comment on est revenu. Qu'il y avait déjà du bestiaux. Bestiaux HEC là, tu vois. Donc non, donc on va aller en. Tout a été refait, tout a été racheté. Parce que c'est vrai que j'avais pas sauvegardé, donc du coup je m'étais retrouvé vraiment tout départ en fait. Donc j'ai dû tout refaire. Entre-temps, j'en ai profité, je le dis honnêtement, pour chasser, quoi. C'est au niveau de mes balles. Allez, reviens là, mon pote. Hop là. Il va falloir de toute façon aller refaire des balles, non, rechercher des balles. Donc, de toute façon, la chasse au début, c'est ce qu'il y a de plus simple avec les quêtes. Donc, c'est pour ça aussi que je vais vite lancer. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de bestiaux ici, là, à chasser. Hein. Négatif. Allez hop, on va à la chasse. La chasse au gibier. Il y a juste un truc que j'ai vraiment du mal dans le jeu, c'est les ruches. Les ruches en fait dans le jeu sont assez. Enfin, c'est chiant. Donc pourquoi je me dirige vers là pour. Nettoyage, accepté. Renard casse-pied, accepté. Tac. Donc là, je fais le petit nettoyage de la zone. Et normalement. Voilà. Il m'aura fallu un peu plus de balles du coup pour les niquer, mais ça. Mais après la visée elle est bizarre genre dans le jeu. Je peux pas vous expliquer le courant du pourquoi. Mais elle est très bizarre. Hop là, donc les deux sont réglés. Le truc que je vais faire avant toute chose, c'est aller récupérer la vision de Renard. C'est pour ça aussi que
Je suis venu faire cette mission parce qu'on va récupérer de la viande. Donc là, c'est une glacière hein, pour ceux qui n'avaient que vous avez pas vu. Même si qu'il donne que une ou deux viandes. Viande, c'est déjà ça de prix. Il faudrait que j'aille voir le multiplicateur tout à l'heure. C'est bon, ça me paraît évident. Et là, je terminais. Et je me suis occupé des renards. Ah, donc ça remonte un peu, on est à 1500. Donc à savoir que en off, j'irai moi chercher des puits de pétrole. Je sais que par exemple là, si je regarde ici, bah il y en a un là, du coup un puits de pétrole ici. Et il y en a un deuxième ici, ce serait cool qu'il soit là. Malheureusement, il n'est pas là. Dommage, parce que moi dans ma partie personnelle, il y en avait un. Il y en avait un juste là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse un salto comme ça là. Donc on va aller. Je vais voir combien s'il y a un multiplicateur au burger là-bas. Pour la viande de gibier. Ça pourrait être intéressant. On peut se faire un minimum de pognon. Ah, la conduite dans le jeu. Dommage, dommage, dommage. Il n'y a pas de multiplateur ici. Et du coup, si je les vends là, ça me fait combien? C'est 200, 255? J'allais voir l'autre magasin parce que je suis sûr, je me fais couiller là. 17 pièces de beaux bestiaux comme j'ai tué? Nah, 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 nah. Ça, c'est une couille. Bon, du coup, en tout cas, il faut. Il faut vite que j'achète les. J'avais dit quel on allait faire un. Salut mon pote. C'est Dieu qui t'envoie un message. Ah ouais. Ah muskil le. Il est arrivé devant moi. Il a pop comme ça. Oh non! Elle était toute mignonne comme ça, mais regardez. Désolé, Bambi. Donc, tac. Ah, on gratte un peu plus. Pas beaucoup, mais on gratte un peu plus. Donc, tac. On est à 1800. Donc, à savoir qu'il nous faut 600 pour les cochons. Voire 900. J'aimerais bien avoir plusieurs femelles. Tac. Ouais, je vais commencer par acheter ça. Acheter des balles. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur le ranch. Je ferai une petite ellipse pour farmer de quoi faire le ranch. Enfin, faire l'enclos, en tout cas, des cochons. Que les cochons, c'est ce qui est important dès le départ, parce qu'en fait, ça te snowball vraiment ta partie, en fait. Au début, ça va être long, tu vas devoir attendre, tu vas devoir vraiment galérer pour avoir tes cochons, mais quand ils sont faits, vraiment, c'est un snowball de fou, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'envole, quoi. Donc, écoutez, je farme le bois, et je reviens au bout tout de suite après. Donc les amis, nous voici après avoir fini l'enclos
des cochons. Donc pour le moment, je l'ai mis comme ça. Et ça va rester comme ça, là, parce qu'en fait, moi, j'avais un bug, là. J'ai relancé plusieurs fois le jeu. Parce que, je sais pas si vous voyez, à chaque fois, ça descendait en... En taille, vous voyez, là, c'est petit, quoi. Je peux sauter par-dessus. Que là, par exemple, vous voyez, c'est haut. Normalement, bon, pas assez haut. Non, c'est là plus haut, voilà. Normalement, quand c'est haut de ouf, bon, ça va me niquer mon game. Mais en gros, t'es pas censé pouvoir sauter au-dessus. Voilà. Donc lui, voilà. Et en gros, à chaque fois que je mettais ça, descendait, ça descendait. J'ai eu un bug, donc... Si ça fonctionne comme ça va rester comme ça. Objectif. Avant la fin de l'épisode. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes pour la fin de l'épisode. Construire un puits ici. C'est dans quoi le puits? Là. Donc, ça demande du béton. On va mettre ça là. Vu que ça va dégager plus tard dans le futur. Donc, il nous faut 6 planches. Oh, pardon. Et du ciment. Donc, le ciment, il va falloir que j'aille forcément en acheter. Donc là, il faut que je rentre un autre morceau après ça. Il faudra pas forcément que j'aille en acheter. Après, le problème, c'est que je suis à 1600. Faut oublier qu'on n'a pas acheté encore les cochons et qu'il faut les acheter juste derrière. Et acheter leur bouffe. Donc ça va demander de la thune. Donc peut-être que si on croise. Et j'ai oublié de prendre mes munitions au shop là-bas. Enfin, je les ai pris, je les ai achetés, mais je les ai pas récupérés. Je viens de m'en rendre compte en rechargeant mon arme. Donc, va falloir être très méticuleux. Hop, donc 6 planches. Tac. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais récupérer les glacières que j'ai laissées ici. Et il va falloir acheter de la bouffe. Donc, déjà, pour la bouffe, c'est 3 sachets 90$. 3 sachets de 30, pardon, pour les cochons, pour remplir leur. Par mangeoire. Plus les poules, donc on en prendra un supplémentaire. Donc en fait, ça va demander un petit peu de thunes. Là, on va débourser pas mal. Donc, surtout pour le ciment, je crois que c'est 250 le paquet de 50. Donc faut que j'arrive absolument à trouver les puits aussi. Parce qu'il va falloir qu'on se fasse du poignon. Et au début, le poignon avec les cochons et les poules, ça rapporte rien. C'est pour ça que les poules, au début, je vais rien faire avec les poules. Et je pense que l'épisode 2, on va commencer à les faire les quêtes. Donc, c'est des quêtes assez tranquilles, assez simples. Pour se faire un petit peu de poignon. Pour pouvoir tout simplement faire un truc. Alors, j'avais dit que je viendrais là. Pour du béton. Voilà, 250. Donc là, après, c'est. En soi, c'est pas excessif, mais. C'est quand même un petit budget, quoi. Et pour le moment, on a besoin de rien d'autre. Pour faire le puits. Tac. Donc là, on va aller faire le puits. On va aller acheter nos cochons, la nourriture. D'abord, on fait le puits. Et j'hésite, est-ce que je prends pas une femelle et un mâle ou le deux femelles et un mâle? Parce que ça va se multiplier à une vitesse après grand V. Hein. Vous allez voir, au jour 16, on sera débordé. Hein. J'ai une partie personnelle. Je suis au jour 25, un truc dans le genre, ou un petit peu plus. Et genre, c'est vraiment. J'ai de la thune, hein. Je suis ultra bien. Hein. Mais genre, vraiment, c'est. Donc, tac. Le puits, c'est réglé. J'ai oublié de prendre des seaux. Donc, pas grave, de toute façon, on va. Maintenant, à l'autre magasin, donc je connais le raccourci.
Hop. Oh, t'es sous ici. Et regardez, hop. Et mes caisses de munitions. Ok. Donc, moi je voulais au moins un seau en acier. 1, 2, 3, 1. Donc là ça fait déjà 128. Et là, une femelle et un mâle. Nous sommes à 728. Des thunes. Donc là, on va être à 717. 719, pardon. Donc là, de toute façon, on va rien acheter de plus en termes d'animaux, en tout cas pour débuter. Parce que eux, là, ils sont tout petits, donc on va rien pouvoir faire avec eux. C'est chiant, mais c'est la réalité des choses. Et tac. Essayer de placer ça. Est-ce que tu peux le porter sur ton dos, toi? C'est gentil, ça, mon pote. Ça sur ton fiac. Oh, ils sont bons. J'ai jamais fait ça. Ça va, ils vont avoir une petite plaisance avant de finir en steak. Le mâle, le seul objectif, ce sera de se reproduire et de bouffer, donc. Même pas de travail. La femelle, elle, va accoucher de plein de petits bébés. Elle n'aura pas besoin de s'en occuper. Bon, faut pas déconner, quoi. D'aller faire travailler un petit peu avant. Donc, tac. Un. Deux. Trois. Tac. Tac. T'as cru que t'allais me niquer? Espèce de fou. Donc là, je sais pas ce qu'ils vont. Ils vont ce qu'il fait. Tac. Alors, à tous ceux qui commencent une série dans ce style, mettez-vous en tête. Je ne veux pas mettre les mangeoires ou les abreuvoirs sur le bord. Ils peuvent monter et sortir. Donc c'est chiant. C'est relou, c'est pas drôle. Donc je serai vous. Personnellement, j'éviterai. Quand même leur sac de Bélin, je vais encore l'ouvrir. Hop. Donc ça pour moi, je serai vous, je ferai gaffe. Donc tac. On va leur ramener l'eau. Voilà. Passons de toute façon. Après ça, je vais essayer d'aller chasser, je vais essayer de trouver. Je le ferai ça en off, les puits de pétrole. Même si je sais que j'en ai déjà trouvé au moins un. Il va juste falloir voir combien ça va me coûter en termes d'argent. Parce que ça coûte la peau du fiac. On est bien d'accord. Parce que c'est 500 par métal, enfin pour le paquet de 50. Donc ça va, on va dire ça coûte de l'argent quoi, c'est pas n'importe quoi. Après je veux voir combien le puits coûte en. Je me rappelle plus, j'en ai fait deux, mais en toute façon on peut en faire que deux parce qu'il y a 11 puits en tout sur la map. Cette map là, il y en a 11. Mais il n'y a que deux actifs sur les 11. Donc je sais qu'il y en a un ici. Et là du coup, il va falloir que je cherche ailleurs, voir où sont les autres puits qui sont. Le dernier puits actif, parce qu'il n'y en a que deux qui sont actifs. Tac. Du coup, on va dire, je vais vous emmener avec moi pour chasser un peu et. Et pourquoi pas essayer de trouver un petit puits ou un petit puits ou deux.
Parce qu'à savoir que ça coûte, ça va coûter l'investissement, et puis, parce que ça va demander des barils, des jerrycans, parce que tu mets de l'essence dans les trucs, et il va falloir acheter le métal et le ciment. C'est les ingrédients, j'ai envie de vous dire, quasiment principaux. Et les petites plaques en béton là, c'est. Et bah c'est ça, c'est les puits de pétrole. Mais là, cela, c'est-à-dire quand il y a une plaque comme ça en béton, là par exemple, lui, il est inactif. Voilà. Donc je sais plus. C'était celui-là, je crois. Il est inactif. Bon, tant pis. Du coup, on en a un là-bas. C'est la caverne d'Alibaba là. Est-ce qu'il y a du boulet de drop? Enfin, pas du boulet de drop, mais. Ouh! Genre du. Par exemple, faut que je tire un peu en avant. Pour que la balle. Mais what? En fait, il visait dans le sol ce con. Pas très fortiche avec cette arme. Hop. Donc là, on va faire le tour, on va récupérer la viande. En plus, ça nous fera du poignon. Viens de décimer tout un troupeau, miskin, mais. Pas moi qui fais le plus mal à l'écosystème, qu'on soit bien d'accord. Hop. Là normalement il me manque juste lui que j'ai canné. Il n'y en a pas un que j'ai canné là? Il n'y en a pas un. Je n'ai pas canné un ici là? Je vais me faire douiller, j'ai l'impression. Hop, donc. On va ranger ça. Allez. Oh, hop, j'en ai combien là? 12. Ah, c'est pas une dinguerie 12. Hein. Moi, je préfère buter les autres parce que ça rapporte beaucoup plus. Tac, donc là, il y en a un. Là, voilà, ça c'est un puits de pétrole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en gros, tac, on va ici. Et c'est 20 ciment, 20 métal. Donc en gros, avec l'argent que j'ai, je peux presque en acheter un. Presque en commencer un, quoi, en gros. Parce que pour ça, en fait, il va falloir du jerrycan, tout ça, il va falloir de la thune. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire maintenant. Ou alors, ça serait pas con de le faire maintenant, le temps que je trouve le deuxième. Et ça, c'est pas con. Je peux peut-être le commencer maintenant. Ouais, ça me paraît pas bête du tout. Je vais d'abord essayer de vendre ça. Pour voir combien je peux gagner aussi, hein. Parce qu'en vrai, il va. En fait, là, je viens de penser, c'est qu'il peut tout. Il va tourner, en fait, le temps que j'aille faire les quêtes au prochain épisode avec vous. Et le temps que. Voir les cahiers. Quoi deux? Non, c'est pas ça, c'est dommage. Donc, on va aller à l'autre. 12, c'est pas beaucoup, mais peut-être que ça peut nous aider. En fait, là, je vais prendre assez de matériaux pour en faire deux, donc en plus, ça sera encore mieux. Mais en fait, ce qu'il faut derrière, c'est au moins un jerrycan, un ou deux jerrycans, et par la même occasion,
un baril, mais baril, ça, comme je disais tout à l'heure, on peut attendre encore un peu le temps que tourne. Il devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors, j'ai oublié que c'est pas ici qu'on achetait les barils ou les trucs, mais déjà on va vendre pour ça. Donc là, on a de quoi acheter normalement ce qu'il faut. Donc là, de toute façon, il nous reste quelques minutes, on va dire, de rec, et ça sera déjà bon pour le premier épisode. On aura pas loin de 45 minutes de vidéo, donc on sera pas mal pour le premier épisode et pour la lancer, pour le lancement de notre ranch, pardon. Tac. Ouais, d'accord. Alors ceux qui se foutent de ma gueule dans les commentaires de ma conduite, sachez que c'est une caisse à savon, c'est... La conduite sur Ranch Simulator n'est pas la meilleure. Voilà, là une preuve. Une toute petite preuve. Tac. Donc, on a dit 50-50. Donc là, ça va faire 750 au minimum. 750. Donc là, si par exemple, je rajoute une, deux. Oh, on n'aura pas assez pour le jerrycan, c'est 250. Ok, bon, c'est pas grave. On va commencer déjà avec ça. On va les construire. Comme ça, il va tourner. D'abord, je vais hop, le remplir. Ou non, vous savez quoi? On va attendre le prochain épisode pour ça. Voilà, on va faire un peu de durée le suspense. Tac. Et tac. Tac. On va aller se mettre. Voilà. Mais ici. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 2 de Ranch Simulator. Et dans très peu de temps, il y aura un épisode sur Star Citizen qui sortira pour la prison. Mais j'espère en tout cas que vous aurez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Allez, tchuss, à la prochaine.